les amis. Salut tout le monde. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pas de relations sexuelles avant le mariage. Oui, avant le mariage, c'est ça. Et comme promis, je suis avec mon époux. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis l'époux de Caroline. Faut montrer la preuve. Hein. Bon, pour regarder mes pères, regardez, c'est à moi. Voilà, donc voilà, nous sommes mariés. Depuis combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 7 ans qu'on se connaît, si ça fait un mois qu'on est mariés. Ouais, on est des très jeunes mariés. Très très jeunes mariés. Voilà. Est-ce qu'on a eu des rapports sexuels avant le mariage? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez été tenté? Bien sûr, on était tenté. En tant que jeune dans ce monde, on était tenté. De mon côté, quand j'étais près de Caroline, en tant que célibataire, j'étais tenté parce que je la considérais comme la femme la plus belle du monde. Je la considérais? Je la considère toujours. Voilà. Moi aussi, j'ai été tentée. Voilà. Comment faire pour résister à la tentation? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis impliqué à l'église, dans tout ce qui est service à l'église. Et aussi, il y a eu le sport, il y a eu aussi les études aussi. M'ont aussi aidé à fuir la tentation. Et voilà. Fuir la tentation. Et la prière, très important. Ouais, la prière, c'est sûr. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné une personne à qui je devais rendre des comptes. Pour le coup, c'était mes parents. Je voulais pas les décevoir. Et donc voilà, je me suis fixé une personne à qui je devais rendre des comptes. Et aussi, j'évitais de me mettre sexy devant Francis. Je ne mettais pas des décolletés qui m'arrivent au nombril ou des coco shorts. Pourquoi on a accepté de se soumettre à ce principe? Tout d'abord par crainte de Dieu et aussi pour être un bon témoignage pour les jeunes et pour nos prochains par exemple. Oui, voilà. Et surtout par obéissance. Surtout par obéissance à Dieu. Dans la Bible, c'est dit que Dieu préfère l'obéissance à des bonnes actes. Ouais, au sacrifice et tout ça. Ouais. On va vous mettre le verset. Et donc par obéissance à Dieu. Qu'en pensez vos amis de ça? Mes amis de mon côté, il y a beaucoup qui ont été surpris. Ça, voilà, donc tu disais que c'est quasiment impossible. Alors que moi j'ai montré que notre Dieu est un Dieu de possible. Il est capable de tout faire. Il y a d'autres qui m'ont encouragé. Oui, c'est bien, continuez comme ça. Il y a d'autres qui trouvaient ça complètement extraordinaire. Et c'était aussi un moyen. Il y a d'autres qui trouvaient ça débile aussi. Débile, bien sûr. Ils disaient, mais c'est n'importe quoi. Il est fou celui-là quand il nous raconte. Il y a aussi d'autres qui m'ont encouragé. Et c'était aussi un moyen pour moi de leur parler de Dieu, de témoigner. Ouais, voilà. Moi, de mon côté, les filles disaient, oh, c'est trop mignon, allez, elle est là. Mais voilà, je sais pas, du côté des filles, ça va quoi. Est-ce qu'on n'avait pas peur que sexuellement ça ne fonctionne pas? Non. Ça m'est jamais venu à l'idée de penser ça, que ça ne fonctionnerait pas sexuellement, parce que de base, c'est pas ça qui m'a plu de chez elle, c'est plutôt sa façon d'être, sa façon de se comporter devant les gens, ses capacités intellectuelles par exemple. Et surtout sa relation avec Dieu. Voilà. Et moi non plus, je n'ai pas pensé à ça. Francis, il me plaît physiquement, il me plaît mentalement. C'est un homme, je suis une femme. Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas fonctionné, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça vous valut le coup d'attendre? Bien sûr, bien sûr que ça vaut le coup quand même. Ça vaut beaucoup le coup d'attendre. Parce que d'un côté, je me dis, je suis le seul mec sur la planète, sur l'univers, dans le cosmos et partout ailleurs qui a connu ma femme, quand même. Voilà. Et moi aussi, je suis contente de me dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui m'a connu, le premier et le dernier. Amen. Et aussi, je me dis qu'on obéit à Dieu tous les deux et c'est cool. Que, voilà, on sait que Dieu va nous honorer pour ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé. Déjà, c'est vrai. Et du coup, voilà, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura répondu aux questions qui sont venues le plus souvent. Et voilà, on fait plein de bisous. Et voilà.
Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vert, oui, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, vous appuyez sur le pouce vert. Ok, et partagez vert, la non, vidéo. C'est bleu. Hein? C'est bleu, c'est pas vert. Ah oui, on refait. Frérot. Vous appuyez sur le pouce bleu. Bleu. Non, c'est pas bleu, tu t'es trompé. C'est quoi, chérie? C'est pas orange. C'est bleu. C'est orange. Non, c'est pas orange. C'est orange. Frère, mon qu'est-ce que c'est orange, frère? Vous appuyez sur le pouce orange. Orange. C'est pas orange. C'est... Frère, appuyez sur le pouce orange. Orange, 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 orange.